L'écrivain russe Édouard Limonov, qui mène pourtant un réel mouvement d'opposition, a vu avorter le rassemblement qu'il comptait organiser ce samedi à Moscou. Dès leur sortie du métro près d'une place du centre-ville, les militants de l'opposition ont été cueillis par des policiers anti-émeutes. Plusieurs dizaines d'entre eux, dont Édouard Limonov, ont été interpellés et emmenés dans des fourgons cellulaires. Avant d'être embarqués, ses opposants ont eu le temps de crier leur slogan « Une nouvelle année sans Vladimir Poutine ». À Saint-Pétersbourg, une autre manifestation a été contrée et une dizaine de protestataires interpellés.